Hello mes loulous, je sais pas pour vous, mais moi en ce moment, j'ai plein de femmes magnifiques qui viennent m'écrire, hein, ouais. Sauf qu'évidemment, c'est des faux comptes, bah ouais, tu crois quoi. Et je pense que malheureusement, ça arrive à beaucoup, beaucoup de monde, ouais. Et plutôt que de les envoyer chier, bah non, je me suis amusé à leur répondre n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'ils se rendaient même pas compte que je me foutais de leur gueule. Mais je vais pas vous lire nos discussions, non. En fait, je les ai transformées en vidéo. Un peu comme si ces nanas m'abordaient réellement, quoi. Allez, bon visionnage! Salut! Salut. Je vous présente donc Poupée Baby Lopez. Ne tombez pas amoureux, elle n'existe pas. Hein. Poupée, c'est ton vrai prénom ou c'est un surnom? C'est mon surnom. T'es grave jolie en tout cas. Tu fais quoi dans la vie en semaine? Rien. Et le week-end, bébé? Rien. Rien. Je suis tombé sur quelqu'un qui a une imagination de ouf, quoi. Je me demande à quoi ressemble la vraie personne qui se cache derrière ce compte. Attends, mais Patrick, là, pourquoi est-ce que t'écris rien? Bah je sais pas ce qu'il faut écrire, moi. Mais arrête, on en a parlé la semaine dernière en réunion. Tu dois inventer un personnage. Rien, ça a l'air sympa comme métier. Et qu'est-ce qui te plaît dans la vie? J'adore l'amouissement. L'amouissement. Non mais le pire c'est que ce mot existe vraiment, hein. Ça veut dire devenir muet. Et ben grâce à lui, on apprend des mots. Merci. Bah c'est top, moi je kiffe la surdité. T'habites où? Baby. Baby? Ça me dit rien, ça. C'est la Côte d'Ivoire. Attendez, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a réellement un cybercafé qui s'appelle Baby Lab. Ça se trouve, le mec m'explique tout simplement d'où il bosse. Il vient de dire Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Non mais t'es con, quoi. Tu veux pas lui dire où on bosse non plus? Bah si, je lui ai déjà dit. J'ai écrit Baby. Bon, Patrick, t'es en période d'essai. Hein. Tu me refais une erreur pareille, je te dis au revoir. Oui, monsieur Robert. Bah quoi? Oui, Robert De Niro pourrait être le chef des arnaqueurs, on sait pas. Bon ok, j'ai peut-être une imagination un peu perchée, ouais. Putain, je l'imite mal. T'es célibataire? Oui. Et toi? Oui, complètement. Allez, je lui envoie une petite vidéo porno. Ça marche toujours, ça. Bonjour, madame. Je suis le plombier. Eh, hey, regarde. Ok, tranquille, sans transition. Il m'envoie une vidéo pour adulte. T'es pas sur cette vidéo aussi? Non, mais je te la montre pour te prouver que j'adore le sexe, quoi. Bah écoutez, moi aussi, je vais lui envoyer une vidéo de ce que j'adore dans la vie. Bah tiens, moi, je te montre une recette de faritas poulet pour te prouver que j'adore ça. Oh. Je t'aime. Tu m'aimes. Nous nous aimons. Tu me payes un billet d'avion pour la Côte d'Ivoire? Comme ça, je passerai te voir. J'ai pas les moyens, bébé. Mais tu peux le faire en m'apportant un petit peu d'argent. J'hésite un peu, hein. On se connaît pas tant que ça. Hein. Tu me jures que t'es sincère, bébé? Oui, bébé, je te le jure. Hein. Ok. Tu veux que je vienne quand? Pop, pop, pop. Eh, chef! Il est en train de tomber dans mon hameçon, hein. Je dis ça, je dis quelque chose. Eh, mais j'ai un cousin en Côte d'Ivoire qui a pas mal de thunes. Il pourrait te filer 2 ou 3 000 euros si je l'appelle. Mais ouais. Oh, 2 ou 3 000 euros? Merci, c'est très gentil, je visais que 200. Ah non, mais t'écris pas ça, hein. Bien sûr qu'on visait 3 000 maintenant. Donc tu gardes ton sang-froid et poker face. Ok. Poker face. Ok, bébé. Ouais, mais j'ai un problème avec mon portable. Si tu m'envoies 200 euros sur PayPal, tu pourras les avoir, les 3 000 euros, grâce à mon cousin, bébé. Je t'aime, bébé. Fais-moi confiance, bébé. Ok, je t'envoie ça. Mais tu m'envoies rien du tout, là. Bah pourquoi? Ça fait quand même 2800 euros de bénéf, hein. Je suis bon en maths, hein. Quoi, bordel? Bah quoi? Ah, tu connais son cousin, c'est ça? Je comprends pas. Me dis pas que tu comprends pas, c'est ton taf, gros. Enfin, je veux dire, ah bon, bébé? Qu'est-ce que tu comprends pas, mon petit chat? Non, mais j'ai pas d'argent, quoi. Mais 200 balles, c'est rien. Fais pas ta radine, là. Va braquer un supermarché. Non, mais je t'aime. Mais je peux pas braquer un supermarché, quoi. Mais pourquoi pas? Je risque de gâcher ma carrière. Ça, c'est magique. Le gars nous dit qu'il fait rien dans la vie. Du coup, bah, il veut pas gâcher sa carrière. Bah ouais. Ne pas accepter de braquer un supermarché pour ne pas ruiner sa vie, c'est purement de l'égoïsme. Non, autant je kiffais quand on se montrait des vidéos de cul et de faritas, autant là, tu me déçois. S'il te plaît, bébé, je t'aime. Si tu vas pas braquer ce supermarché, c'est fini entre nous. Allez là, décroche. Alors oui, Poupée Baby Lopez a réellement essayé de m'appeler, mais j'ai pas osé décrocher. Oh, je suis un petit peu timide dans la vie, moi. Ah non, mais tu l'appelles pas, là, tu fais quoi? Je tente le tout pour le tout, j'ai l'impression qu'il est en train de changer d'avis. Mais il va griller que t'es pas une nana, hein. Rends-moi ça! Monsieur Robert! Quoi? Il fait de la merde! Non, vous inquiétez pas, je gère! Bon, Patrick, je mets un terme à ta période d'essai, hein. La sortie, c'est par là. Oh non! Mon rêve est brisé. Eh ben, vous savez quoi? Il est où le supermarché le plus proche, hein? Waouh, je me sentirais presque fautif. Heureusement que j'ai un autre faux compte qui me demande un ami, ça me remonte le moral, tu vois. Ah non, je suis pas allé à la chasse, t'as vu le temps qu'il faisait, hein? Ouh, c'est un nouveau pigeon, gros! Alors, comment tu vas? Ça va, et toi? Moi, je suis à la recherche d'une relation. Moi aussi, je recherche une relation. Ok, pas de soucis. J'ai un fils de 4 ans. Moi aussi, j'ai un enfant, regarde, une fille. Et un fils aussi? Donc en fait, j'ai deux enfants, du coup.
Moi, je suis en stage coiffure, et vous? Tu fais quoi de beau dans la vie? Je peux te faire confiance ou pas? Si, si. Je fais pousser de l'herbe chez moi et j'en vends. Si tu veux, je peux te vendre du shit. Non! Moi, je suis ici pour trouver un homme véridique et sincère. Je suis pas là pour m'amuser, ok? Bon, je suis en formation cuisine. Et toi? Formation de cuisine? Bah attends, mais juste avant, il m'a dit... Moi, je suis en stage coiffure, et vous? Pourquoi il se gourre? Il se relie jamais ou... Ou ils sont peut-être plusieurs à gérer le compte? Mais ouais. Salut, c'est bon, je te remplace. Ah bah, c'est pas trop tôt. 17 minutes de retard. Ah. Je reparlais au chef, hein. Ah, et tu lui as dit que tu faisais quel métier? Oh, je sais plus, démerde-toi. Bah, sympa, tu sais. Tu cuisines les cheveux de tes clients? Ah, c'est cool, ça. Quel client? Je trouve ta gentillesse très attirante. Merci, vraiment. Pour mieux faire ce week-end, ajoute mon adresse mail. Non, je préfère te parler ici parce que j'ai pas internet. Ah. En tout cas, tes yeux sont très gentils. Si tu veux, on peut copuler sur Skype. Lapsus. Non, je voulais dire, on peut copuler sur WhatsApp. Monsieur Robert, je crois qu'on est tombé sur un flic. Ah bon, pourquoi? Bah, je sais pas, il a écrit copuler. Cop, ça veut dire flic en anglais, non? Parce que j'ai une tranche à parler anglais, moi, peut-être. Bon, dans le doute, je le bloque, hein. Voilà, t'es bloqué, toi. Je me suis donc fait bloquer, bloquer par un arnaqueur. C'est le monde à l'envers. Mais c'est loin d'être le seul à m'avoir écrit. Ouais, donc je vous prépare un épisode 2. En attendant, abonne-toi. Enfin, sauf si t'as pas envie, je vais pas t'obliger à le faire. Enfin, je suis vraiment un vendeur de merde, en fait. Allez, bisous. Eh hey, mais j'ai un cousin en Côte d'Ivoire qui a pas mal de thunes. Il pourrait te filer 2 ou 3 000 euros si je l'ai fait. Ma gueule de merde. Eh hey, mais j'ai un Côte d'Ivoire. J'ai un coup d'ivoire en cousin. Eh mais j'ai un coup de... J'ai un coup de... C'est entre les deux. Pour ne pas ruiner sa vie, c'est... J'ai pas beau bon moment. Ok, je t'envoie ça. Merde, tu me l'envoies pas. Mais... Je sais ce que je dois dire. Je t'envoie ça. Mais non. Oh, tu m'envoies rien là. Pourquoi? Ça fait quand même 2800 euros. Merde. Mais moi aussi je recherche une relation. Le mec il mate quoi? Moi aussi je recherche une relation. Je peux te faire confiance ou pas? Si si. Je fais pousser de l'herbe chez moi. Non! J'ai pas fini ma phrase. On peut copuler sur WhatsApp. Lapsus révélateur. Non, je voulais dire on peut copuler sur WhatsApp. Sauvez-moi!